Bonjour, aujourd'hui je vous propose une recette marocaine. L'emsemem, c'est des petites galettes comme les mardouf de chez nous. Donc, pour faire l'emsemem, il vous faudra 400 g de farine, 100 g de semoule de blé fine, extra fine de préférence, une cuillère à café de levure de boulanger, 20 cl d'eau. On met la farine, la semoule. On rajoute la semoule de blé. On met l'eau petit à petit. On met la levure et on lance la machine. On va rajouter une cuillère à café de sel. On va pétrir la pâte pendant environ 20 minutes. Notre pâte est prête. Donc, pour savoir si elle est prête à être utilisée ou pas, vous prenez votre doigt, vous enfoncez. Et si ça remonte tout seul, c'est que la pâte est bien. Voilà. Donc là, c'est bon. On va travailler quelques minutes, pas beaucoup. Donc là, j'ai du beurre fondu. Je prépare un plat que je vais huiler légèrement. Je vais huiler les mains. J'ai huilé les mains. On va prendre la pâte. On va faire comme ça. Pour former des petites boules. Là, j'ai fait les boules. Je vais mettre un peu d'huile dessus. Ensuite, nous allons couvrir. Et laissez reposer environ 20 à 30 minutes. On va les laisser reposer. On met de l'huile. On prend la boule de pâte, on la pose, on l'étale. On met encore de l'huile dans les mains. On l'étale comme ça. Il faut mettre beaucoup d'huile. De l'huile mélangée avec le beurre. Voilà, il faut qu'elle soit très fine. Ensuite, on saupoudre de semoule fine. On plie, on met de l'huile, on replie de cette façon, on met encore de l'huile, on se poudre de semoule, on replie, on remet de l'huile et on replie. Ensuite, on fait comme ça. Voilà, on va laisser reposer. Maintenant, on va faire la même chose, mais en carré. On fait pareil. Mettre de l'huile dans les doigts. Faut essayer de former un carré. On remet la semoule, on plie, on met de l'huile, la semoule, on plie,
On met de l'huile. Voilà. Nous allons passer à la cuisson. On fait chauffer une poêle. On le fait chauffer d'abord quelques minutes avant de mettre la matière grasse. On va mettre un tout petit peu de mélange de beurre et d'huile. Voilà. On met un peu dans la poêle. Donc, on va étaler la pâte. Vous verrez la forme que vous voulez. Là, j'ai commencé par la forme ronde. Donc, je l'ai étalé. On va le mettre dans la poêle. On met dans la poêle. On va les dorer des deux côtés. On va voir si c'est cuit. On va retourner la galette. Voilà. Voilà notre première galette. Ben, elle est bien dorée, mais sur la vidéo, on ne voit pas bien parce que j'ai pas assez de lumière dans la cuisine. Alors, on va la sortir, la poser dans un plat. Et on va continuer la cuisson avec les autres, avec le reste des autres pâtes. Voilà nos galettes. La pâte est bien feuilletée.